New York, jeudi 5 décembre 1935. Fermez cette fenêtre, Buxley, il fait froid. Non, je regarde, j'admire, je contemple. Votre attitude contemplative me fait froid dans le dos, Buxley. Mettez un pull. Si vous consentiez tout simplement à fermer cette fenêtre... Je me ferais rudement marcher sur les pieds. Voyez-vous, monsieur Bartholomé, le problème avec vous, c'est que vous vous trimballez toujours cette perche brandie devant vous, comme une lance. Ce n'est guère étonnant que le liftier fût pris de panique lorsque nous entrâmes dans l'ascenseur. Ah, c'est mon matériel de travail, je ne sépare jamais mon matériel de travail, monsieur. Ah, vous voilà enfin, professeur. Vous m'avez laissé 2 heures avec ce gamin dans cette fichue chambre d'hôtel. Je sais pas si je vais pouvoir vous le pardonner, ça. Oh, vous disiez pas ça tout à l'heure, vous étiez bien contente que je vous aide à enfiler votre robe après nos ébats fougueux dans la grande chambre. Oh, mais... Oh, espèce de... Ah, mais... Oh, puis je trouve même pas les mots. Cherchez pourtant, on vous a bien appris à parler, non? Mais il s'engueule souvent comme ça, là. Ça va, ça vient, mais... Mais dans le fond, il s'apprécie beaucoup, monsieur Bartholomé. Fermez cette fenêtre, monsieur Buxley, il fait un froid de canard. Ouais, d'ailleurs, ça fait piailler notre oie. Je ne suis pas une oie, gros porc. Oh oui, traînez-moi dans la boue. J'ai fermé la fenêtre. Nous étions arrivés la veille par bateau. New York. La grosse pomme, la ville qui ne dort jamais. Il était environ 21h et les lumières brillaient hautes au bout des lampadaires, aux fenêtres des buildings qui se dressaient, montagnes de fer s'extirpant du bitume comme des sexes arrogants en pleine érection. Histoire de tirer un coup avec les étoiles, je suppose. New York. Tout ici n'était que bruit, lumière et chaos. Pas une minute de silence, des voitures partout, des gens comme des fourmis qui jour et nuit foulaient l'asphalte enneigé de la ville. Des flocons tombaient sur la pointe de l'Empire State Building et un fin duvet blanc recouvrait les trottoirs. New York. Un glaçon. Quelques semaines plus tôt, nous avions quitté la Grèce et son étouffante chaleur. Le nouveau monde nous ouvrait enfin les bras dans cette fichue quête des deux pierres précieuses représentant les yeux de l'ange bleu. Durant ses recherches, quelques passages des dialogues de Platon, Timée et Critias avaient attiré l'attention du professeur. Ces textes évoquaient l'Atlantide, mais d'étranges mots, d'étranges corrélations avec un autre dialogue de Physios, contemporain du philosophe, amenèrent le professeur Key à entrevoir de nouveaux indices, une nouvelle piste. Et cette piste passait par le Pérou et les mystérieuses cités d'or, ou pour certains, l'Eldorado, même si certaines langues diront que ce n'est pas la même chose. En parlant d'or, il nous en manquait justement pour assurer nos besoins dans l'avenir. La St. James High School ne pouvait plus guère subventionner nos recherches et les économies du professeur venaient à s'épuiser. Il nous fallait trouver un autre moyen, d'où notre présence ici à New York. Bart, qu'est-ce que vous faites là? Je me sers un scotch du minibar. Mais vous avez demandé la permission? Non, mais j'ai pas demandé à vous suivre non plus, hein. Moi je veux rentrer chez moi, j'ai pas demandé à être là avec vous, dans vos pattes. Je suis pas né en 1935, moi, alors imaginez si j'arrive à prendre une cuite 40 ans avant que je sois né, c'est pas mal, hein, quand même. Bartholomé, Bart. Le preneur du son du feuilleton, comme il se nomme, on ne sait pas d'où il vient, ni comment il est venu, lui non plus d'ailleurs, concernant son moyen d'arriver. Toujours est-il que nous l'avions récupéré en plein champ de bataille en Éthiopie au mois d'octobre et que depuis ce jour-là, il nous suivait comme un chien. D'après ce qu'il prétend, il serait né en 1976. Un mec qui vient du futur, sympa. Un fou en réalité, mais un fou attachant. Il s'assit sur un fauteuil du petit salon, un verre à la main. Sa grande perche terminée d'un micro en poil d'ours polaire dans l'autre. Parlez pas trop fort, mademoiselle Laura, vous êtes près du micro, ça pourrait saturer. Mais de quoi il me parle, lui? Mais qu'est-ce que ça veut dire, saturer? Oh, votre voix, elle était pas très belle, là, Laura. Ça veut dire ça, voilà. Mais qu'est-ce que vous avez fait à ma voix, je... Reculez-vous, ah, reculez-vous! Ça va comme ça, là? De bien mieux. Vous êtes dangereux. Alors, professeur, vous avez réussi à téléphoner à votre ami, là? Celui qui vous doit un service? Ah! Oui, oui, bien sûr que je l'ai eu. Nous avons rendez-vous dans 3 quarts d'heure dans son nightclub. Oh, on va nightclubber? Clubine. Ta-ta-ta clubine, ta-ta clubine. Oui, ma chère Laura, je vous conseille de vous mettre sur votre 31. Elle chose du 44. C'est même pas vrai, Buxley. J'ai des très beaux tout petits pieds.
Beau, oui, avec un délicat fumet également. Vous aussi, monsieur Buxley, vous feriez bien de vous habiller. Bah, comme ça c'est bien, non? Mettez une veste par-dessus votre chemise. Et une cravate aussi. Et remettez-moi ce feutre bien droit, on n'est pas dans les sous-sols d'un temple ici. Ouais, je reste ici, moi. Hors de question, monsieur Bartholomé, vous venez avec moi. Tel que je vous vois partir, vous allez finir rond comme un ballon. Et vous pourriez vomir sur la moquette de notre chambre d'hôtel. Ça nous ferait des frais en plus. Pensez que votre ami va vouloir vous avancer de l'argent pour la quête des yeux de l'ange bleu? Je vous l'ai dit, il me doit un service, monsieur Buxley. Il m'a l'air un peu étrange, là, votre ami. Il tient un nightclub, c'est bien ça? Je vois pas du tout pourquoi il s'intéresserait aux yeux de l'ange bleu. Bon, il me doit un service, c'est tout. N'en parlons plus. Vous verrez bien. C'est un Italien et les Italiens n'ont qu'une parole. Un Italien? Ah oui. Pour que vous ne soyez pas trop impressionné, comment vous dire, c'est un ami, certes, mais je ne suis pas d'accord avec ses méthodes. Enfin, vous verrez bien comment il dirige son entreprise. Mais ne vous inquiétez pas, s'il devait nous tuer, nous ne nous en rendrions pas compte. Ça, c'est vraiment charmant, professeur. Oui, ça laisse rêveur. Bah, tous les coups, c'est un mafieux. Pardon, je savais pas qu'il y avait des bulles dans le scotch.